Oui, oui, yes, ok, go, go, go! Euh, bienvenue tout le monde à des un podcast de grosses des qui se tapochent. Mon nom est Jack Dion et je suis accompagné, des là c'est spécial, par mon papillon géant préféré, Simon c'est moi moi, ça puis, on a écouté un film de Papillon Géant. Géant. Le, mais, euh, oui, oui. Toi, oui. c'était ton film. Ben, c'était mon film, oui. Ton autobiographical <rire> pic, <rire> biopic. <rire> Ça ressemble-tu à ton origine? Euh, un peu, oui, mais euh, moi, c'était à Montréal. Ah ouais ça. <laughs> mais tu m'as raconté tu sais, le, le passé que ouais. tu avais avec euh, des, des, des tiny ouais. beauties puis des, des, des cavernes puis quand tu faisais des spectacles dans une petite cage ouais mais ben quand ils m'ont ramené euh, comme sur l'île j'étais j'étais fils comme euh, j'étais à l'île bizarre en fait <laughs> que oui, ouais, oui, oui. Ils sont venus chercher, là. Je sais, c'est quoi, ouais, oui, oui. Ah, c'est ça. Puis là, euh, quand j'ai fait mon spectacle au théâtre de Lise Pelletier, devant tout le monde. Mmh. Donc, euh... <laughs> oui. Ben, ben, en fait, c'est les fairies qui ont fait le spectacle. Oui, moi, parce je que toi, tu es chercher, allé, bah, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, tu euh, as traversé un océan, même. Ben oui, 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 oui. Tu traversé oui, oui. le fleuve. Ben, c'est ça. Et, euh, tout est proportionnel. <laughs> oui, ouais, c'est ça. C'est tout le temps exagéré ben des les ouais. biopics. Il faut, faut qu'ils sensationalisent. Ils il roman, euh, il romantisent. Oh. Non, c'est pas ça le mot que je cherche. Mais Romancer, je pense... ouais. quand c'est exagéré puis rendu plus beau que la vraie vie. Ouais, ouais. Fait que, ben on n'a pas de news cette semaine. Euh, non, j'ai pas de news. On a des news nous deux, c'est-à-dire qu'on s'est vu la semaine passée pour ouais. faire Rodan. Oui. Fait que là, c'est weird. Là. On n'a pas fait de kaiju de, de toute l'été. Non. Puis là, on en a fait deux en deux semaines. Oui. Puis on a aussi écouté Dracula 2000. <laughs> oui, oui, oui. Quand, Comme quand... un petit lien avec le film. De... Oui, il y en a un, surprenamment. Puis ouais. après ça, euh, ben, tu m'as fait rire aux ouais. larmes. OK. Euh, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de rire, puis un moment donné, tu sens comme du danger. Là. Oui, 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 oui. Genre, j'avais peur. À un moment donné, j'étais OK, là, je suis plus capable de respirer, ça fait mal. Puis là, je t'ai demandé d'arrêter oui, oui. toute <laughs> activité pour que je puisse récupérer. Je allé prendre un break dans la salle de bain pour respirer, puis je suis revenu, puis j'étais bien de de mm -hmm. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, fait que c'est ça nos news. <laughs> c oui, c'est ça. Euh, je parais qu'il y a une série de caméras qui est sortie. Ah, c'est sorti? Je pense que oui. Ok. tu es en, en cell shading, CGI. Là. Ouais, ouais. Ben, euh, moi j'ai vu par contre. Ah oh, non, c'est vrai. Euh... Legacy of Monsters, okay. le trailer. Oui, oui, oui. Je pense oui. que je te l'ai envoyé. Oui. En euh... fait, c'est. Comment ça s'appelle? C'est euh, Monarch. Monarch. C'est ça. C'est ça. Qui est la compagnie qui investigue les kaiju dans l'univers de la Universal Non, c'est pas Universal. Euh... Dans l'univers américain des ouais, kaiju, ouais, ouais, fait que euh, Skull Island, euh, Godzilla, ouais, King ouais. of Monsters. Là, euh, y a une série avec Kurt Russell. Ben oui! Puis on voit Godzilla en tout cas. Ouais. J'imagine Godzilla. Hein, ben puisque... oui, ben, En tout cas, <laughs> dans dans le la bande annonce, fait que j'ai aucune liste de séries sur Apple Plus. Ouais. Euh, donc euh... Ça, on va trouver ça sur l'internet. Oui, il oui, euh, y, y a des endroits. Mais euh, moi, je suis full de date. Ouais, ouais, ça ouais. m'intéresse plus que. Parce que je trouve qu'on dirait qu'ils ont. Euh, c'est c'est d'après la bande-annonce. Mais ils ont comme ramené ça à l'histoire de Brian Cranston dans le premier. Fait que, ça a mm -hmm. l'air comme plus d'un truc conspiration, disaster movie que de la grosse sci-fi ridicule qui était complètement assumée, là. Ouais, ouais, ouais. Mais de Godzilla vs. Kong, où c'est que, tu ils sont dans un monde à l'envers, puis tout le monde a des sauts d'Iron Man, puis tu sais, c'est funky, là. Euh, mais ouais, je suis bien intrigué, fait ouais. qu'on va écouter ça. Ben oui, on va écouter ça. Pour notre plaisir. Ouais. Puis en plus, demain... On fait les mystérieux ensemble. Ben là, évidemment, cet épisode-là va sortir après. Ouais, ouais, ouais. Mais si vous avez écouté les mystérieux que Simon et moi, on est là on en est même temps. Euh, c'est on... bien passé quand même. Hein. C'est ça. C'est un bon épisode. Ben oui, ben oui. Ben, surtout parce qu'on est ensemble. Ben, on a volé ça. le show ben oui. euh, Puis c'est ça. Fait que on va écouter la bande-annonce, puis on va parler du film direct. Yes. Let's go. A remote Pacific Island. Where an expedition of world famous scientists investigate incredible rumors of its fantastic mysteries and discover barren volcanic mountains surrounding strange green valleys, mammoth caves that breed giant mutations, vampire plants that devour humans. But most astounding of all, the tiniest women in all creation sacred beauties of a lost tribe which worships a monstrous creature what is the secret of mothra what is the bizarre spell that awakens mothra as these doll-sized girls call to the super god from captivity mothra. Mothra, whose revenge is more devastating than any man made weapon. Mothra, who defies warplanes, wrecks ocean liners, smashes dams and bridges. Mothra, creating hurricanes. Mothra, enveloped in a shell that no human force can penetrate. Mothra, indestructible, all powerful, indescribable. What kind of creature is this god monster, Mothra? <laughs> <laughs> On se met dedans, ouais, là. Ouais, mais celui là ça vient d'un autre affaire. Là, tu oui, sais, mais bon. oui. <laughs> ça n'a rien à voir avec euh, Motra. Mais euh, ben, là, c'était A Long Time Coming. On oui. a déjà parlé du personnage de Motra avant parce que euh, la, 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 la Kaiju Papillon a fait des apparitions dans d'autres films. Mm -hmm. euh, je ne pas noter. <laughs> <J 'ai rire> mais il pas... y en a vraiment beaucoup. Oui, fait, euh, ça. Allez voir. C'est ça. Puis, euh, on... MDB, ça existe. Oui, maintenant, mais je voulais dire pour Tarkaiju. Ah, on pour a déjà autres. parlé de Matra. Oui. On a déjà couvert ouais. un film. Oui, mais pas de, de film t'sais, euh, que, juste, que juste elle. Exact. Fait que... surtout, euh, soit en personnage. Un troisième personnage qui arrive ou peut-être qu'on a écouté un Godzilla versus Motra, mais je pense pas. Non, 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 non. non, non. Euh, mais on a parlé de Motra dans euh, Godzilla versus Guiron. Ok. Motra non, était là. non, non. non? Guiron, Guiron, c'est Gamera. Ah ouais. Hein? Ouais. Gamera versus Guiron. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Je suis dans le chat. Je sais pas c'est quoi l'épisode. Euh, hey, ça a été un nest. C'est d'été, man. Ouais, ouais <laughs> Brûler les rêves. <reines. rire> mais on. Mais on a on, aimé le film. On a aimé le film. Fait que ça va être plus, plus le fun que Rodan. Ouais. Quand Qu'on a parlé euh, la dernière fois. C'est ça. Rodan, on s'était fait chier un peu. Ouais, ouais. c'est euh, euh, Ben, vous le savez, parce que l'épisode de Rodan est sorti avant, anyway. Euh, mais euh, Motron, on a aimé ça. Oui, oui, oui. Fait que, avant qu'on se lance dans dans, dans, le, dans le film, est-ce que tu un Google Translate? Fait que, oui, j'ai le Google Translate pour toi. OK, yes. C'est une expédition sur l'île Infant oui. <laughs> découvre une population indigène et de minuscules prêtresses filles jumelles de la divinité mythique de l'île nommée Motra. Ah oui? Euh, ah, euh, oh non, ah excusez, il bon. euh, y avait un point. Ah, okay, Je l'ai okay, okay. mal fait. Euh, euh, prêtresse fée jumelle de la divinité mythique de l'île. Oui, point. Nommée Motra, elle entreprend de sauver ses fées après qu'elle ait été kidnappée par un homme d'affaires exploiteur. Oui, maudit Nelson. Hey. Nelson et Meha. Oui, c'est notre Mr. Ouais, Sinister exact. De, de, de cette affaire-là. Oui. Fait que, euh, ouais, euh, Motra, euh, 1961. C'est mm -hmm. connu sous le nom de Mosura. Mm -hmm. Parce que ça a pris du temps avant de sortir. Oui. Parce que <laughs> je check mes affaires. Euh, encore réalisé par Ishiro Honda. Ouais, réalisateur euh, euh, ouais, de du classique Godzilla et de ça. Rodan et aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est comme cinq ans plus tard que Rodan, puis ça paraît. Il a comme. Il, il, il a focusé ses bonnes affaires. Ouais, là, ouais. ouais, ouais. Fait là. C'est correct, les scènes de bureau, là, mais t'sais, faudrait il faudrait qu'il se passe de quoi plus vite. Là. Puis effectivement, il se passe de quoi plus vite. Oui, le film est un gros build-up mm -hmm. tout le long. Hein, puis, ce, qui est, ce qui est bien, parce que justement, on n'est pas tout le temps à, à mettre le frein sur l'histoire pour ouais. nous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Puis euh, ça, commence, euh, ça commence direct. ça commence direct mm -hmm. Évidemment, il n'y a pas de kaiju avant, avant un petit bout, mais on est sur un bateau, puis il y a une tornade ouais. extraordinaire, puis le bateau pète en deux. Mm -hmm. Puis il y a des survivants qui se ramassent sur une île, l'île Infant. Oui, mais c'est pas une tornade, c'est une. Oui, c'est euh, un ouragan. Oui, exactement. Ouais, parce ça. que c'était sur l'eau. Oui, c'est ça. Il y en a sur l'eau, mais dans ouais. l'océan. Il vu sur TikTok une tornade de feu là, à Vancouver. Oui, oui, ça ne tente-tu, ça. Ça a l'air là. là. Ouais. C'était comme une vision de l'enfer. Puis le monde filmait ça, puis il était que. « Tabarnak! <laughs> » Ben, il disait pas « Tabarnak » parce qu'il était à Vancouver. Il disait oh, « Holy sais. moly! » Ah oh, oh, oui! Mais, <laughs> mais, euh... Fait que c'était pas une tornade, c'était un ouragan, mais, sais, genre, ça, ça fait péter le bateau. Ben ouais! Le euh, bateau est pas solide, vite, <laughs> Non, mais Parce qu'on se demandait pourquoi il abandonnait le bateau. Ouais. Puis ben, c'est parce qu'il savait qu'il allait casser en deux. <laughs> un bateau qui casse en deux, là, c'est... Ouais. T'es la ramarre d'arnestie ouais. quand ouais. ça arrive. Euh, fait que, finalement... Ben, ils se retrouvent sur l'île euh, ouais. sur euh, infant island mm -hmm. puis il était comme six ouais, ouais. fait que, tout le reste du crew on assume qu'ils sont ouais, morts qu il ouais, ouais. ben, ouais, y a beaucoup de morts dans ce film là dans ouais. le fond puis là c'est ça on se fait dire aussi que de la radiation je sais pas si c'est à cause du bateau ou de l'île mais en tout cas fait que là c'était la crainte de est-ce que est des, ces survivants là est-ce qu'ils ont des séquelles par rapport à ça ouais. finalement ils ont absolument rien Ouais. Euh, parce qu'ils ont bu un liquide rouge. Oui. Puis ça, hey, j'avais oublié ce détail-là parce que ça ne revient pas vraiment. Non, non, non. non. non comme... Mais le but de, du liquide rouge, c'est pour faire que. Hey, vous avez rencontré les natives. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a du monde sur l'île, île, île qu'on pensait à être déserte. Mm -hmm. Fait que là. Parallèlement à ça, il y a des journalistes qui investiguent là-dessus et qui rencontrent un monsieur qui ne veut pas montrer son visage. Qui ouais. a un journal devant lui. Oui, mais ça dure pas longtemps. Ça, ça dure pas longtemps. <laughs> puis finalement, il n'y avait pas vraiment bu à ça. Il, ouais. il se tasse un peu ses yeux. Puis là, finalement. La, 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 la madame photographe a cri parce qu'il y a une souris. Ouais. Fait que, là, il tasse son journal puis à partir de là, il voit tout le temps la face C'est ça. Pis en fait, c'est comme l'introduction de nos trois, notre trio. C'est ça. Euh, des fois, on peut dire que, Quoi tu as ?» parce qu'il y a le petit gars là, qui ouais. est là à un moment donné, mais c'est ça. C'est qu'on a euh, notre, le héros qui est euh, ch Chujo, mm -hmm. chujo qui est un linguiste. Ouais. Fait que c'est comme, euh, comme Amy Adams dans euh, Arrival. Oui. C'est juste que ah, lui, si il catche très vite. Ben oui, <laughs> puis je viens de catcher. Pourquoi il catche? Parce que c'est un linguiste. Ben, c'est ça. ah Oui, mais même à ça. Non, non, ça n'a pas de On de, les de bon ça. Mais oui, oui, oui. Il ouvre la bouche, puis c'est des sons d'orgue mal ajustés. Oui. On... Ah oui, je comprends très bien. Ah mais... oui, ils sont en train de me dire ça, là. <laughs> Je ne sais pas, je vais essayer de trouver un extrait. Ouais, ouais. va le faire jouer. Ben, c'est ça, ça ressemble à ça. ça. Puis, il y a euh, aussi le journaliste qui est euh, Fukuda. Mm -hmm. euh, c'est ça? Oui. Euh, qui est euh, genre le. C'est le comic relief, mais qu'il y a quand même un petit peu un, un côté plus héroïque. Oui. Et... Voyons. Héroïque. Héroïque, je l'avais. Euh, Qu'on pense. Euh... Puis, euh, il me fait penser à Philippe Laprise. Philippe Laprise. Imaginez-vous cet humoriste dans ce rôle. Puis il y a Zen qui est la photographe. Ouais. Euh, qui partage le même nom qu'un certain ninja intergalactique. Oui. Zen, the Intergalactic Ninja. Ça, t'as-tu déjà lu ou checké ça? Non, non, jamais. C'est ça? Moi, je sentais qu'il y avait une crosse derrière cette création-là. Je suis comme je trippe sur les aliens, je trippe sur les ninjas, j'ai 10 ans. Mm -hmm. Puis Zen, j'étais comme non, vous essayez de m'avoir, vous me Ça c'est je vois le capitaliste à l'œuvre. Je vois pas <laughs> un créateur qui a envie de me raconter une histoire. C'est jamais... un ninja bleu, hein? C'était qui qui publiait ça je sais pas. Okay. Puis c'était comme un cartoon slash jouet slash BD mais que j'ai jamais rien vu de ça. OK, c'est ça. J'ai juste vu des, comme des pubs de ça. Hmm. Mais j'ai jamais vu le cartoon, ni le jouet, ni... Fait que euh, ça va y... peut-être être notre prochain projet de podcast. <laughs> <là>. Terre <laughs> zen. Non, non. Ça Terre en intergalactique. Puis qu'on parle juste de zen. Hey, c'est Terre intergalactique. Ah, bravo. C'est A tendastie, ah, euh, là. Okay. Euh... <rire> <Oui>. <rire> euh, mais euh, ouais, c'est ça. C'est que là, ils veulent faire une expédition pour aller euh, sur l'île. Euh, Puis là, évidemment, c'est organisé par une partie de gouvernement. Oui. Un, un gouvernement qui, on a lu, <laughs> c'était quoi? C'est comme s'ils si nous ont inventé une nation pour nous merger les américains et les russes fait que, dans le fond c'est juste euh, les occidentaux si ouais, on veut puis ça s'appelle euh, Rolisika. Okay, puis il mentionne souvent puis tout le long j'étais comme de quoi qui parle parce que ils font comme si c'était une vraie shit. Ouais, est ça. Tout le long, t'es comme hey, « comme c'est quoi ça, le petit pays de Rolassica, puis l'agence la, de Rolassica, puis la république de Releska. Ouais. Finalement, c'est ça. C'est la Russie fictive. Parce que que au euh... début, je pensais que c'était juste comme le, le gouvernement en place au Japon, puis j'étais comme ah, oh, ben, OK, faut être au courant. Oui, c'est ça. Finalement. Mais non, c'est pas ça. Ben, surtout parce qu'il qu'ils montraient Ivo, il ou en tout cas. Exact. Manipulateur. Exact. Euh... Jusqu'à un certain point. Mm -hmm. <laughs> Parce que le, le vrai méchant, c'est Nelson. Exact. <laughs> qui, est, euh, qui est aussi sur l'expédition et euh, qui est déjà menaçant avec un gun dans sa, sa cabine, euh, dans le, le, voyons, le bateau qui se rend à l'île. Ouais. Imaginez-vous, genre, euh, un méchant. De James Bond, quasiment. Tu sais, oh, qui ouais. se twirl la moustache là, en souriant puis en pointant du gun. Là, il est très, très sinistre ouais. et il aime ça l'être. Oh, il oui. tripe à être méchant. <laughs> hein. <laughs> <Oui. rire> il rit de ses propres jokes genre en pointant son gun. Mm. Puis euh, il n'a a absolument aucun respect pour les petites filles. Non, non. non il est... Est pour lui, c'est un objet. Mm -hmm. Exact. Pour euh, en faire l'exploitation. Il, il objectifie les Tiny Beauties. Oui, oui. Puis, dans le fond, c'est ça. Il se ramasse sur l'île après d'avoir de, euh, fait deux jours de bateau. Tu sais, ça passe très vite. Oui, hein. oui, ouais, quand même. Il se ramasse sur l'île. Euh, notre linguiste préféré se fait attaqué par des tentacules vignes. Ouais, ouais, après qu'il ait fouillé une grotte où il y avait des plantes bizarres. Des gros lollipops, j'ai ouais, ouais. Puis, euh, une fois qu'il se fait attaquer, là, il se fait sauver par euh, les fairies mm -hmm. euh, qui, sont, qui arrivent. Et lui, il se réveille comme après, puis il ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé. Euh, puis, là, il y a un flash comme, Ah oh, oui, c'est ça puis là ils retournent ouais. avec toute la gang parce qu'il leur a dit ouais il y avait des fairies! » puis la personne est comme ouais de quoi tu parles ça, ça mm. va pas bien puis finalement ben ils va, puis ils sont là ah oui. juste en tout le voit, ouais tout le monde les voit tout le monde est comme ah il bougeait ouais. <laughs> pas ouais, ouais. puis là moi c'est ça j'avais pas catché parce que c'est un linguiste il est capable de comprendre qu ce qu'ils disent puis ils disent ils ont, ils ont une attitude vraiment weird les, <laughs> les petites filles là, sont très euh, maniérées et très, genre, passive, poli, qui disent tout le temps, je m'excuse, ou merci, ou, tu sais, whatever, ouais, ouais. en se penchant, c'est comme un petit euh, flex de genou, là, genre, <laughs> oh, merci. Puis, euh, et dans le fond, sont en train de dire, en chantant, S'il vous plaît, ne nuquez pas notre île. <laughs> puis, le linguiste, non, on nuquera pas l'île, puis ils font, Ah, merci. <laughs> et là il y a des natives qui arrivent ouais. en cognant des petites roches, puis ça fait comme un beat super cool. Par là. Parce que Nelson et ses gens de Sbic les a pognés. Oui, c'est euh, ça. Puis là, ils se transforment en poupées, parce que les ouais. effets spéciaux de l'époque. Oui, euh... ça arrive une couple de fois. Oui, oui. Ouais. Euh, <laughs> je pense à plus tard dans le oui. film. Là, oui, 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 oui. Là, tu sais, c'est... OK, euh, on le voit, le trucage, parce qu'on euh, est en 2023, là, mais mm -hmm. je veux dire... C'était quand même pas si pire. Mais à cause que là, ils les gardent, ben, euh, les natives arrivent, sont très menaçants, puis là, ils, les autres disent hey, Lâche-les, lâche-les, fairies Fait que là, ils lâchent, puis là, les natives s'en vont. Ça, c'est le genre de. Tu sais, je suis pas un collectionneur d'affaires de films, là. Mm -hmm. Mais j'aimerais ça avoir une des petites poupées qui <laughs> représente. Tu sais, je mettrais ça dans mon bureau pour faire que ça, c'est les Tiny Fairies de Motra. Ah oui. Un mémor mémorabilia. Un mémorabilia. Euh, mon ami Tristan Demers, il, a, il collectionne des, des affaires de même. Il paraît que c'est un musée chez eux. Je suis okay. mal chez eux, il faut qu'il m'invite. Mais euh, il y a genre des affaires du set de Ferris Bueller. Il y a comme un, un paquet d'affaires. Gargouille, là? Ouais, ouais, okay, oui, okay. Oh, oui, oui. Mais... <laughs> oui, oui. Le créateur, le, le de créateur gargouille. de Gargouille, <laughs> pas lui. Qui m'a déjà d'ailleurs dessiné, je ne sais pas si ça y est dérangé que je dise ça. Sans crise, hein. En tout cas, je oh. prends-tu le risque? Ben oui, c'est pas grave. Là. Il m'a déjà dessiné Gargouille qui s'étranglait lui-même avec sa dick. Wow. <laughs> Parce que j'ai demandé de me dessiner de quoi de drôle. Ah. Puis en fait. Là, me ça, je broyais de rire en checking puis Ouais, j'avais l'impression que tu étais trash, toi. J'avais l'impression que t'allais aimer ça. Fait que tu sais, il m'a saisi. Fait que bref. Oui, j'aimerais savoir de la mémoire Puis il y a des petites poupées. Parce qu'ils n'ont pas de nom, hein? Non. Non. Ben je pense que dans le générique, il y en avait, mais on les dit pas vraiment. On n'a pas de Non. Excuse. Ils ont des noms d'actrices, mais c'est parce que, entre parenthèses, ils marquaient. Euh, twin Fairies, ouais. pour dire que c'était une des deux. C'est weird qu'ils disent tout le temps twin, puis clairement c'est pas des twins. Là. Ouais. Ils ressemblent un peu, mais pas ouais. tant. Puis euh, ils sont comme pas dirigés de la même manière. Il y en a tout le temps une qui a l'air à faire pitié, puis l'autre qui sourit comme candidement, comme si elle comprenait pas ce qui se passait. Mais dans le lore mm -hmm. tout le temps des des, des jumelles. Ah. Euh, Peut-être que ça arrive que ce soit pas les mêmes actrices, mais c'est tout le temps. Ils disent tout le temps que c'est des joueurs. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, parce que les autres sont dans tous les films de Motra. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Là, ouais, ils ouais. font comme partie de. Puis du même, lore. même dans les, euh, les versions américaines, là, celui où il y a Motra, mm -hmm. euh, il y avait deux filles. On les voyait, on les a pas vus ensemble, mais on cachait que ah, c'est la même actrice qui joue les deux. Fait que Ça a comme un lien, justement, ça à rien. Là, ouais. mais, euh, ouais. Puis je me rappelle que dans le premier, premier euh, trailer de Garrett Edwards, son gars de 2014, hein, la fin de même, mm -hmm. je me rappelle jamais. 2014, je pense. Ah, que ouais. ça. Euh, dans le premier trailer, là, c'était juste genre, tu vois une ville en destruction. C'était ben, comme le Halo Jump là, avec la tombe de 2001. Là. Oh, <rire> oui, oui. <rire> puis euh, après ça, tu vois juste la ville détruite. Puis dans la boucane, tu vois la silhouette de Godzilla qui crie. Mais pendant qu'on voyait la ville détruite, il y avait deux petites pins t'sais, minuscules. Il faut que tu pèses sur pause puis que tu zooms. Là. Okay. Deux petites pins jaunes. Sur un building détruit, puis le monde était comme C'est Motra c'est les jumelles de Matra, c'est Matra va être là, c'est sûr, c'est sûr! » Puis c'est à cause de ça que j'ai entendu parler pour la première fois, pas de Matra, mais de, du oui, lore okay. des petites jumelles. Mm. Euh, puis finalement, ça avait aucun fucking rapport, c'était juste deux <laughs> affaires jaunes qui traînaient sur un building. Euh, fait que là, c'est ça, finalement, le, le méchant Nelson pourquoi qu'il s'appelle Nelson d'après toi je sais pas ben c'est pour être un Américain c'est ça mais je suis en train de me demander y a-t-il une figure américaine qui s'appelait Nelson non je sais pas mm. euh, fait qu'il kidnappe les deux titres. ouais c'est ça il retourne plus tard il kidnappe puis là ben on recommence avec la danse euh, des, euh, des natives qui, qui sortent mais là <laughs> <laughs> L'expédition les, 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 euh, ont toutes leurs guns et ils se mettent à gonner tout le monde. Oui. <laughs> comme... okay. Encore une fois, beaucoup de morts. Oui, 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 c'est ça. Puis, des, euh... Puis là, on ouais. a comme un peu un lien avec King Kong parce que dans le fond, il y ramène. Ouais. Puis là, on découvre qu'il veut faire un show avec ça. Oui! Puis ce qui est drôle, c'est que l'attrait, il est complètement différent de King Kong, parce qu'évidemment, King Kong, c'est de, 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 de... Eight Wonder of the World ou je sais mm -hmm. pas trop, là. Euh, puis t'es il est géant. Fait que tu veux aller voir ça, puis t'es comme « Wow! » Mais là, eux autres sont minuscules. Oui, c'est ça. Puis on n'est pas d'une époque où c'est qu'il y a des projecteurs HD, là. <laughs> fait dans le fond, le monde, il voit juste deux petites silhouettes ouais. sur un stage. Parce qu'il y a y, y attire du monde en est. Ben oui. Y a de la foule, là. Ouais, oui, oui. c'est toutes des vrais figurants, là. Ouais. C'est pas du trucage. Ouais. Il, y a, il y a 400 personnes par soir qui hein, checkent ça, là. Wow. Puis. Euh... on peut-tu expliquer le show? Oui, vas-y, man, ben, vas-y. Parce que là, c'est ça, ça commence, puis euh, je pense que c'est euh, notre trio qui arrive puis qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, on voit une espèce de carrousel dans les airs qui, qui se promène sur un fil jusqu'au stage, puis les, les filles sont dans le carousel. Ouais. Le carrousel se dépose sur le stage. Ils se mettent à chanter. Oui. Mais là, pas, euh, pas leur voix d'orgue de, de bizarre. Là, non. Vraiment. Ils chantent. Ils chantent. Tune, La tune de Motra. C'est ça. Puis, avec tout ça, ben il y a aussi des, euh, des Japonais en blackface qui, oui. <laughs> qui sont sur le stage. <laughs> oui, c'est un petit peu gênant. Oui, euh, qui font des natives, euh, puis ils font une chorégraphie, puis tout ça. Puis. <laughs> il y a un orchestre, on oh, entend oui. l'orchestre. On... <laughs> Moi, je suis fasciné parce que je me dis, ouais, ok, ils ont kidnappé, mais il a quand même fallu qu'ils montent un show. Là. Ben, tu sais quoi ma théorie? Ouais. C'est que dans le fond, à chaque fois qu'ils sortaient de leur cage, les deux fairies, eux autres, c'est comme leur. Leur version de a À l'aide, à l'aide. Ils chantaient tout le temps la même affaire, puis ils ont juste laissé répéter ça, puis ils ont commencé okay, à, on va à trouver pratiquer. les notes. Ouais, c'est <laughs> en, en là, ça ouais, Exactement, ouais. c'est exactement ça. C'est euh, quand est il est grave qui qu est arrivé, puis <laughs> on va danser autour de autres. Ouais, ouais. À l'aide, à l'aide, on a une ellipse entre le, le moment où il est kidnappé, puis le show. Fait qu'on sait pas combien de temps, depuis combien de temps qu'il fait ça. Mais mm -hmm. assez de temps pour qu'il y ait une photo promotionnelle de lui avec les fairies qui nous a fait beaucoup rire. Qui, la photo est incroyable. On dirait genre Clark Gable. Là, t'sais, il ouais. est comme dans une pause avec sa clope puis son téléphone. Puis tu les deux petites filles à côté. <laughs> Mais tu c'est vraiment une genre de photo que t'sais, tu te dédicaces pour des femmes. Puis tu t'en <laughs> fous ça. Puis genre, t'sais... Ouais, c'est très drôle. Ouais, ouais. Puis c'est là où, ici, on apprend que son, son background à lui, à Nelson, que finalement, c'est genre un voleur d'artefacts. Oui. Tu sais, c'est parce qu'au début, ça. on savait pas c'était qui. On pensait que c'était juste un genre d'agent secret avec une mm mission -hmm. de kidnapper ces affaires-là. Mais finalement, euh, il travaillait pour lui-même. Ah, c'est. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair, là. Mais de toute façon, es, on n'est pas là pour. Euh, on, on est prêt. On ça. le CV peu. de notre euh, Nelson. Non. Euh... Fait qu'après ça, euh, ben c'est ça. C'est que dans le fond, euh, eux autres, ils sont, on avait déjà catché ça, mais ils chantent, puis ça se rend jusqu'à Motra, ouais, ouais, par ouais. les ondes de la magie maintenant. Oui, oui, c'est ça. Euh, puis Motra, à, à ce moment-là, n'est pas éclos. C'est juste un œuf. Ouais. Puis les natives chantent autour de ça, font un genre de, de, de cérémonie en même je... temps que la tourne qui est jouée dans une, pièce, dans une salle de théâtre euh, Exact. Puis là, j'étais comme ah hey, c'est fucky, euh, je pensais qu'on allait déjà voir Motra avec ses ailes puis tout. Pis là, c'est toi qui m'as fait la réflexion genre non non, moi je pense que c'est une chenille dans l'œuf. Parce que ça j'ai dit pourquoi c'est pas un cocon, T'as mm -hmm. fait Non non, c'est la chenille avant. Ah oh, ouais. M'attendais pas à ça fait que ça j'ai aimé ça. Ouais, ouais, ouais. Je, je trouvais ça cool. Ouais, puis pété le, le, la coquille est sortie. Euh... puis la chenille est hot. Ouais. Elle est vraiment bien faite, puis est comme un paper peu mais surtout, je sais pas comment ils ont fait ça, mais le scale. T'sais, même quand on la voit tout seul dans l'eau. Mm -hmm. D'habitude, une maquette tout seul dans l'eau, ça a l'air futile, tu le vois. Puis ouais. là, ça a vraiment de l'air immense. Fait que j'étais comme bien impressionné par ça. Mm. Puis aussi, ben après le show, on s'en va backstage et là, notre trio réussit d'une façon, <laughs> en tout cas, ils réussissent à euh, manipuler un peu pour pouvoir aller voir les fairies puis leur parler puis leur dire, hey, on veut vous sortir de là. Mais là, les fairies, eux, ils comprennent le, le japonais, ils comprennent oui, la ben mante, oui, ils ça. se mettent à parler. Ouais. Puis voilà. Puis là, c'est comme, ok. Ouais, c'est réglé. C'est des <laughs> c'est des linguistes, eux autres aussi, peut-être. <laughs> ouais, peut-être, peut-être. Euh, puis, ouais, c'est ça. Pendant que je pense, tu sais, à chaque fois qu'ils font un spectacle, ils l'appellent. Mm -hmm. Mais je pense qu'aussi, des fois, ils chantent. Je me souviens, c'est un peu vague. Je sais pas, mais il y a une shot super belle où tu vois le début du show donc le petit carrousel qui sort. Ouais et c'est superposé avec Motra qui nage dans l'océan puis tu vois les deux en même temps puis j'étais comme waouh c'est une belle image ouais. c'était une belle shot puis après ben euh, Motra détruit un bateau mm -hmm. Oui. À pète le bateau en ouais. deux. Fait ouais. encore une fois sûrement. Combien de monde travaille sur un bateau de même? 200 personnes, genre? 150 personnes? Ben, en plus, je pense que ça disait que c'était genre un, un une cruise. Fait que c'était pas un ah, bateau de veteurs, ça. Un bateau de voyage. Fait que ouais. 200 civils. Ouais. Si Puis c'est ça, les petites filles, les petites filles. Les... Ben, c'est ouais. des petites filles aussi, ça mais, oui, mais... Oui, oui. <laughs> ils disent à Chijo. Genre, ma trace en vient. Puis, ah ben c'est good, on va vous libérer. Ça. Non, mais c'est pas bon pour vous autres. Non. Il va avoir beaucoup de morts. Beaucoup de destruction. Ça. Beaucoup de gens vont souffrir inutilement. <laughs> ah oui! Oui! <laughs> Allez, tu te fais bien ça écho. Sûr, puis, le but, c'est de, de dire à Nelson, faut que tu les rendes parce que tout, On va tous se faire attaquer. Ouais. Puis là, lui, ben... <laughs> « Je m'en fous, fous. L'art du spectacle ouais. doit primer surtout. Le capitaliste, <laughs> je suis sinistre et méchant. <laughs> » Puis c'est ça, euh, pendant... après le bateau, il est euh, encore euh, sur l'eau. Mm -hmm. Il se fait bombarder par des avions qui pêchent des bombes, tout explose, puis l'eau ouais. est en feu, fait que... Nelson lui est convaincu que ah, ah, c'est réglé, maintenant je peux continuer à profiter des de petites ferries. Ouais. Ça, ça. Fait qu'ensuite on est sur le bord d'un genre de... Un... C'est avant le pont, c'est un, un genre de barrage hydroélectrique. Ouais, je ne sais pas comment ouais. appeler ça. Là un, ben ouais, un barrage hydro, c'est ça le nom. Euh, puis là, il y a deux personnes qui travaillent comme dans cette espèce de, de <laughs> <Oui>. centrale là. <laughs> puis ils voient Motra arriver, qui sort de l'eau parce ouais. qu'on pensait qu'elle était morte. Puis je dis tout le temps elle. Mais moi, je la, moi, je, la, je dis elle. Ouais. Je sais que pas supposée d'avoir de genre, mm -hmm. mais euh, puis je vais t'expliquer aussi que ma Ma façon de dire elle, euh, j'ai vu dans les trivia que ça a rapport parce que c'est basé sur une, une short stories que Toho a acheté euh, pour euh, et, et comme en faire un film et qui était plus pour le public féminin. Huh. Euh, fait que ça a comme un peu de sens, tu sais, qu'on ouais. on dise plus que c'est elle. Quand, que Godzilla, c'est lui, mais les deux, ils n'ont ils ont pas de genre. Ben exact. Euh, Puis même, Godzilla a un bébé. Mm -hmm. Fait que ouais. il s'auto-reproduit, euh, ouais, I guess, ouais. parce qu'il n'y a pas de mâle ou de femelle. Ouais. C'est weird. Ouais. Si on suit la fin de Shin Gogira, c'est ça qu'il commence à faire. Là. Il y avait comme ouais. des bébites qui sortaient. Ouais. Euh, du bout de sa queue et voilà <laughs> et bien, voilà euh, on l'a dit <laughs> on l'a dit euh, fait que là tu sais, c'est ça t'as ces deux employés là qui voient Motra arriver puis genre euh, puis ils figent en tenant deux petites <laughs> <laughs> deux petites coupes de, de pas des coupes des, des deux petites tasses de café ah ouais. et les drops c'est dans le meilleur acting que j'ai jamais vu de ma vie c'est <laughs> incroyable mais c'est suivi par l'autre qui est comme un bout de pain dans une qui est comme qui l'avale vite ouais ouais il y avait de l'humour dans le film oui. Il y avait toutes. Oui, il y avait toutes. Il y avait de la Rome. Mais c'est ça, tu c'est triste. On dirait que je suis déçu maintenant que j'apprends que c'était une short story pour un public féminin, parce que ça aurait été facile de rendre ce film-là plus pour un public féminin. Puis tu sais, je pense qu'ils ont fait complètement abstraction là-dessus, Mais tu sais, change le journaliste par la journaliste. Oui. Parce qu'elle est là, elle existe, mais elle est juste photographe, puis elle ne suit jamais... Et plus à voir l'action se passer plutôt qu'à participer. Ça aurait été facile de switcher ça. Puis je suis sûr qu'aujourd'hui, on vivrait dans un monde où il y aurait plus de femmes qui tripent sur les kaiju mm -hmm. s'ils avaient fait ça dans les années euh, 60. Euh, mais bon, c'est pas ça qui est arrivé, hein? Ah ben non. Pas grave. Fait que. C'était la, la minute opinion. C'était <laughs> <une, rire> mon opinion euh, de. Ben c'est ça, dans le fond, je vais le faire, moi. Ben oui, faire. Je vais la faire, cette BD-là. Ben, puis ça va être des kaijus féminins avec des protagonistes féminins. Puis les kaijus, il faut juste tuer les hommes. <laughs> Parce que fuck le patriarcat! <laughs> on est annés! Euh, Puis c'est ça, je vais le faire. OK, parfait. OK, voilà. On a, on a ton nouveau projet de BD ici. Exact. C'est cette... en exclusivité, en primaire. Euh, fait que oui, c'est ça. Fait que là, il y, y, y a justement la, la, la séquence qui suit tout ça. C'est la, la, la séquence du pont. Ouais, évidemment c'est la panique, tout le monde quitte parce que le barrage est en train de craquer parce que Motra est de l'autre bord c'est quand même très hot là, ce bout-là ouais, ouais. tu sens vraiment genre le... c'est dangereux en tabarnak ce qui est en train d'arriver puis tout le monde quitte puis traverse un pont et il y a un couple qui ont comme une genre de charrette mm -hmm. plein de stock dedans Dans qui ont mis bébé. leur bébé à la fin de la charrette, pas de barrière fait que le bébé tombe ben ouais. Puis eux, ils en rendent pas qu'au je... cause de la période. Mais me semble, moi, j'aurais mon bébé sous moi. Ben ouais. Fuck ton sac de. de mat. Je de... 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 <laughs> sais même qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. De... Son sac de linge, genre. Voyons, on sent la crise de ton linge. Euh... Fait que. Euh, il droppe le bébé et là, c'est notre héros euh, Fukuda. Oui. Qui est le Comedy Relief, mais là, on voit qu'il est courageux. Pis ouais, ouais. on voit aussi qu'il y avait de l'honneur parce que. Il s'est fait demander par les scientifiques de ne pas faire un reportage sur l'île mm -hmm. parce qu'il voulait pas que ça crée justement. La panique ou. tu sais, que les, les hommes aillent là pour voler justement ouais, les filles. Ouais. Fait ne il l'avait pas dit à son boss. Fait quand, quand le méchant y ramène, l'autre dit oh Ouais ouais, c'est bien que ça existe puis Chris, je me l'avais pas dit. Puis non. Fait que là, on voit qu'il y a comme un sens de l'honneur. Puis là, il sauve le bébé. Mm -hmm. Après ça, le pont il pète. Puis là, c'est comme le début. Du troisième acte, mettons. Ouais, là, ouais, là ouais. c'est le début de la discussion. Ouais. Ben, je pense que le troisième acte commence vraiment quand Motra euh... En fait, c'est ça. C'est que euh, en forme Chenille, elle ouais. euh, détruit la tour de Tokyo ouais. euh, et euh, se construit un cocon là-dedans. Mm. Et euh, les clous, mm -hmm. C'est ça que ça fait? Oui. Hein? Oui. Ça. Oui. <laughs> Puis, oui. Euh, oui. Oui, mettons, ok. Euh, c'est ça. Puis là, ben, c'est Motra dans sa plus belle forme en papillon géant. Exact. Euh, qui euh, un peu à la manière de Rodin, euh, quand elle se fait aller les ailes, tout en revol. plein Mais de petits chars qui revolent dans les maquettes c'est même s'il y a juste 50 les deux films je trouve c'est tellement mieux fait que, ouais, ouais, ouais genre les chars en vol les buildings pètent de manière tu sais c'est vraiment une de ces premières maquettes ultra détaillées euh, Peut-être même trop détaillé parfois, qui aurait pu enlever certains détails. Ouais, comme ouais, ouais. les petits bonhommes <laughs> sur le top des tanks. Ah euh, ouais? Vas-y, c'est <laughs> Vas bon. Ah des, des kicsos, là. Oh boy, ben. Imaginez euh, que vous filmez des jouets tanks puis que... Les bonhommes qui sont dans les tanks, ben, on les voit très bien à l'écran. Ouais. Coupé avec des scènes où tu as des vrais militaires. Euh, c'est vraiment le, le fait de voir les, les faces avec aucune émotion, juste comme deux yeux et une bouche peint dessus. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas réalistes, non, euh, non, zéro. Ça. Ils Ça ressemble à des jouets pour enfants. Ouais. Puis tu es comme, pourquoi? Tant qu'à ça, mets pas et fait juste filmer les tanks. Ben oui, c'est ça, d'habitude. Mais c'est euh... un choix. Il y a quelqu'un qui a fait. Non, ouais, non, ça va être petit, cool. Il se cache dans le tank, d'habitude. Puis, tu sais, c'est 1961. Fait tu ouais. clairement, il n'y a pas d'excuse. C'est comme... <laughs> drôle de choix. <laughs> ouais, mais. Ça fait son choix. Exactement. Tu hein. sais. Parce que c'est comme si ça, le, le côté cheap côtoie le côté inventif. Ouais. Puis on dirait qu'à cause de ça, moi, je suis comme ah, « non. correct. » Ça vient justement ça vient renforcer l'imaginaire le d'enfant, l'enfant ouais. qui détruit ses... sa ville avec ses petits bonhommes, ouais. ses monstres. T'sais. Fait que, ouais, ouais. Non, non, on va, on va le donner. Mais c'est drôle en C'est drôle en estime. Puis c'est surtout, c'est des moments qui sont supposés être super dramatiques. Ouais, ouais, fait ouais. Que ça... C est, c est, ben ça l'ajoute au charme. Ça, je ne sais pas si tu peux me, me rappeler parce que je pense mm -hmm. que je, je, honnêtement, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais. J'ai peut-être un peu gagné des clous, mais oui. contrairement à Rodin, ce pas parce que c'était plate, ouais. c'est juste parce que es ma condition. Euh, mais euh, le, là, la scène avec l'armée, ça, mm -hmm. c'est au Japon. ouais Mais ah, après, euh, Motra <laughs> s'en va à. <laughs> On pensait au début New York, mais non, c'est Newkirk, ouais. Une fausse ville qui rassemble tous les looks de villes américaines. Ça veut dire, tu as un plan que tu vas voir, c'est une ville avec plein de gratte-ciel. Comme New York. C'est ça. Mais un autre, tu vas voir des palmiers comme si tu étais à Beverly Hills. Puis un moment donné, tu vois le, le Golden Gate. Oui c'est un peu comme ah c'est Newkirk, c'est métropolis c'est ça puis tu sais moi au début New Kirk, tu sais je l'ai lu vite j'ai lu New York City ben ouais, parce que es... c'est que non non c'est New Kirk City fait encore une fois il y a à part le Japon qui est très ré... qui est très réel il y a même la tour de Tokyo qu'on voit peut tout tout le reste de cet univers là est Effectif. Puis, ouais, ouais. euh, en plus, ça c'est drôle parce que ça arrive aussi dans euh, Godzilla Wars. Il y a une scène à New York c'est vraiment la vision des japonais ah ouais. qui ont de New York pis ouais. tout le monde a un ghetto blaster <laughs> sur l'épaule puis tout le monde a des guns puis tout le monde se gomme dans les rues ah ouais. le monde tue des polices parce que tu les américains sont violents puis là on arrive à une, une chapelle genre une genre de petite église puis on dirait qu'on est en Italie. Fait que c'est ouais, clair ouais. tu vois qu'ils ont de la misère hein? <laughs> Ben, tu j'imagine que c'est ça. C'est la même chose comme si on fait une scène qui se passe à Tokyo, on va se baser sur plein de stéréotypes qui sont pas. Ben oui. Que, les Japonais font comme, ben, voyons donc, Asti, il ouais. pense à quoi, là? Euh, fait que ça ressemble tout le temps à Blade Runner, genre. C'est pas, 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 pas de ouais, même, pas de pas même. Chez nous. Euh, Puis, euh, fait que là, c'est ça. Ça, c'est le boot fuck-off. Ouais là euh, même si tu connais des clous, il n'y a pas grand chose à comprendre de les prochains événements là. de d'à partir de maintenant <laughs> jusqu'à la fin, <laughs> le film a comme fait faites votre propre sens parce que, parce que la raison pourquoi que sont que et à nous Kirk, c'est parce que Nelson a piqué les euh... Encore kidnapper ses euh, ferries mm -hmm. et s'en va là-bas parce que même le gouvernement, là, le, le, le faux le gouvernement. Le relisca. Oui. Eux, ils se rendent compte que oh ouais, ben, c'est vrai que s'ils gardent, tout va être détruit. Fait que t'es mieux d'y mais finalement, ils s'enfuient. Et ça. Puis tu sais, un vol Tokyo-New York là, ou Tokyo-LA, euh, ça va être un jour de 13 heures. Ça, là, là. Ben ça dépend, j'imagine, d'où tu pars, mais ouais. Puis es, mais dans, des sort, escales... dans, dans de, de quel sens tu vois, tu sais, si. Il ah part de Tokyo, ben, oui, il ben va... oui ben oui ben oui tu as raison tu ah, raison euh, s'il va à New York oui ou, si euh, ça, ça marche pas euh, mais s'il va ben oui c'est Pacific si Rim ouais, c'est ça c'est ça ok c'est quand même long mais il y a un, un océan ouais c'est ça c'est pas si non, non tu as raison ça a du, du sens puis tu sais vu qu'il y a des palmiers on va dire que c'est plus ça, le San Francisco ben vu ou... qu'on voit la destruction du Golden Gate Bridge ouais. ben on va dire ok c'est en Californie ok ouais c'est bon Mettons. Okay ça fait du sens. Ça fait ben Donc, un petit peu plus. On, on réussit plus de... à faire du sens avec ce qu'on. Avec a... ce qu'il nous donne. Ouais. Fait que là, le méchant Nelson, ouais. il est avec ses sbires qui traitent comme de la barbe tout long puis qu'on comprend pas pourquoi il reste avec là. Puis il y a ses petites filles dans une valise. Puis là, ils arrive à la chapelle qu'on dirait qu'ils sont en Italie et il y a un ils se font il y a un mob de gens qui commence à les attaquer. Pourquoi ils savent que c'est lui que les filles. On ne le sait pas. Donc, on les filles. Non, je ne les libérerai pas. Puis, ils commencent à tirer sur les polices. <laughs> Mais en même temps, il y a des gens en veston, cravate avec des genres de Tommy Gun. Ouais. Des genres de gangsters. Des genres de gangsters qui sont aussi avec les prêtres. Oui, c'est vrai. Et ah oui, tout ça. Et <laughs> qui finalement tirent sur Nelson. Puis qu'ils pognent la, la, la valise. Puis ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pendant que, il me semble, c'est clair que tu, genre, tu libères les astuces. Ouais. Mais ils savent pas. Là. Puis ils disent, non, 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 touchez pas à ça, personne. Et là, nos héros arrivent à cette même chapelle-là. Là. Bah ouais. <laughs> Donc, euh, les deux journalistes et notre linguiste. Les autres, ils font comme qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu sais, check ça, comment ça n'a pas de sens. Oh, oh ouais, j'ai hâte de voir comment tu C'est qu'ils regardent la croix sur le top de l'église et le soleil est derrière. Ouais. Et là, le linguiste fait Ah! Mais je sais pas si ça va marcher. Puis là, en même temps, l'église fait sonner les cloches d'église et c'est la toune de Motra, en tout cas, une ouais. mélodie similaire. Ouais. Puis ils font Ah, je pense que ça va marcher. Fait que lui, vient de catcher quoi? Qui a aucun fucking sens. <laughs> qui. Genre, il y avait un symbole gravé sur l'île euh, Infant Island. Ouais, ouais, ouais. Qui ressemblait à un soleil derrière une croix. Ah, c'est ça. Okay. Fait que là, il se dit, si on peint ça sur une piste d'atterrissage. Puis on l'attire avec le son. Puis on fait la jouer bombe? la tune de Motra, ils vont... Motra va venir, va venir à atterrir sans, sans, dé ouais. sans détruire tout. Mais Motra, ça fait comme 20 minutes qu'elle a détruit une ville. Là. Oui, oui. <laughs> fait que, tu il est un peu trop tard pour la jouer. Puis, tu après ça, t'es comme, pourquoi vous faites pas juste les laisser aller? Ben oui, sais... c'est ça. Allez les mettre comme à quelque part qu'il y a moins de monde. Puis pis... c'est <laughs> tout. Va dans ça. le désert, tes drops-là, puis tu sacs ton... Mais... Ils pensent pas à ça. Non, non. À la place, ils font un dessin sur une piste à déguisage. Ouais, Puis, évidemment, ça, ça fonctionne à merveille. Ben là, oui. Fait que Motra voit le symbole. Puis, tout de suite, elle se calme. Puis, elle fait Ah, ah okay, c'est là. là c'est là, 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 il faut que j'aille. Puis, elle atterrit. Puis, là, ils sortent les deux petites filles de la, de la valise. Puis, les deux petites filles font comme Merci oui. en faisant un petit salut. Encore les petits genoux euh, pliés. Pis ils embarquent sur Matra. Ouais. Puis ils disent ben, nos héros sont là comme Merci. À la, à et la au mafia voir. et les prêtres oui. aussi. Tout le monde est comme Bye bye! bye, bye C'était le fun. Chris, il y a des millions de morts en arrière de vous autres! Il vient de se passer genre <laughs> 211 septembre. C'est genre c'est la pire destruction que le pays a jamais vue! C'est que bye bye, bye bye! Bon bye, retour! Bye. Puis, <rire> euh... <rire> puis là, Matra, quand elle arrive chez elle, évidemment le party est évident, ben <laughs> ouais. ouais. les deux font les deux petites filles font leur show et on voit l'île une Island et c'est la fin! Ben oui! <laughs> tout est bien qui finit bien. <laughs> tu sais, ça finit comme un banquet d'Astérix ou genre. Oui. Tu sais. C'est importe euh, ce qu'on a vécu. Mmh, tout est yeah. chill maintenant. On fait. a réussi notre mission. Fait. fait que je sais pas combien il y a de films de Matra. Euh, juste de Matra. Ouais. Mais parce une que il y, y a eu, il un... y a celle là Là, je vais par, par mémoire, mais plus tard, en même temps qu'il y a eu le relaunch à un moment donné de Godzilla, il y a ouais. eu trois Mothra. Ah! Euh, dans okay. les années 90, okay, si okay, je ne me okay. te trompe pas. OK. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là... OK. Euh, bon. ben Mais ça m'a donné le goût de suivre cet univers-là puis de voir la rencontre avec... Je sais qu'on l'a déjà vu, là, ce film-là, là, où Godzilla et Mothra sont ensemble. Mais maintenant, avec le contexte avec des deux petites filles de Infinite Island, quel nom weird pour une île? Ouais, ouais. L'île des enfants. là, Tu vois qu'encore une fois, c'est <laughs> des Japonais qui ont choisi les noms. Là. Ouais. Fait que, j'ai ça, man. Ben oui. Puis, on a passé rapidement là-dessus, mais le travail de maquette et de destruction, il est hallucinant. Là. Ah ouais, est est, ça Ça rate pas. Là. Parce Pis... que autant, il n'y a, a pas de combat de kaiju. C'est juste mon truc détruit un peu comme Godzilla dans le premier. Ouais. Mais c'est ça, vu que la job de, ma de maquette, de montage, de map painting, euh, tout ça est super bien réussi. ben mm. Ça, ça fait qu'il est aussi divertissant qu'un film qui se bat contre plein de monstres. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, avant que Motra devienne papillon, c'est une grosse chenée. Puis à l'attaque, de même Tu sais, à l'attaque le, le centre ville. Là. Puis il y a tout le temps des gros plans sur elle avec, les petites maquettes en premier plan qui se font détruire. Puis à chaque fois, j'étais que... Hein, comme en silhouette noire avec ses deux yeux bleus qui brillent. J'étais comme, hey man, c'est hot. Mm -hmm. Je trouvais ça super hot. Fait que bravo, bravo Motra. Bravo. Tu as battu ton rival Roden <laughs> haut la main. C'est K.O. K.O. Puis, ouais, Roden, tu sais, je peux pas le conseiller. Non. À moins que vous soyez vraiment un maniaque complétitionniste des films de Kaiju. Ouais. Euh, Motra, je peux le conseiller facilement. Oh, oui, c'est un des bons. Ouais, je suis comme. Euh... Puis, en même temps, si on n'envoie pas du shade à Ra Rodin. Il Non. Est, il est bien correct. Ben oui. Mais son film est pas super. C'est ça. <laughs> puis oui, Puis, Rodan, on l'aime, là. Ben c'est pterodactyl oui, géant préféré. Ben, hein. Puis, euh... Mais c'est ça. Euh, fait qu'on on est tout de suite à la remise de prix? Ben, je pense qu'on est rendu là. OK. Fait que. Ouais. Hmm. Bon. Hmm. Je pense que le Dandy Loki va être facile. Ah oui, je sais pas moi. Ah ouais? OK. Tu ah. Toi, t'allais dire Nelson? Bah ben oui. Ouais, moi aussi. Ben ok, ouais. ouais. Non, non, t'as raison. Il est facile. OK. Ah oui, ah ouais, il vole le show là. Ouais, ouais, ouais. Il... Il Fâché, là. Pis... Tu vois, un autre. Quand il part à rire aussi, c'est tellement beau. Un autre mémorabilia que j'aimerais, c'est la photo de oh oui. lui avec les jumelles. Je ferais encadrer ça chez nous, puis s'il pouvait m'assigner <laughs> dans le coin, là, je serais un homme heureux. Oh, ouais. Je suis sûr que ça se trouve. Je pourrais me faire printer ça. Oh, ça, ça serait hein. drôle. C est, c est, ça fitrait tellement, parce que c'est le genre de photo que si tu regardes vite, ça a l'air d'une vieille photo d'Hollywood des années 50, mm -hmm. es, vu qu'elle est en noir et blanc, puis la pose avec la clope. Mais si tu regardes comme il faut, t'es comme... Ok, ben, non, c'est pas deux filles dans le background, c'est deux petites filles qui ouais. est à côté de lui. C'est quoi ça? <rire> <rire> fait que, okay, ça me ben, sur, ça. sûrement un moyen de faire un print screen de, de l'image parce que c'est un Blu-ray qu'on ben, va regarder. Oui. OK, fait qu'il serait en super euh, haute résolution. Ouais, ouais. Okay. Bon ben. Fait que ça, je pense que ouais. Euh, c'est le dandy Loki. Pour l'ensemble de son œuvre. Mm. Ouais. Ouais. Il y a une scène où il pointe son gun en riant, là, puis c'est ah, tout, ouais. là. C'est une farce euh, vraiment là. Il est comme ha 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 ha! Quand, là... qu il, quand il, il réussit pas à l'utiliser parce que les deux sont, les deux personnes s'en vont, là, il est comme ah, Puis ah, il squeeze son gun. <laughs> squeeze le gun avec méchanceté. On dirait un, un méchant genre de Scooby-Doo des fois. Donc. Ouais, ouais. Euh... Ok, là celle-là est plutôt off. Meilleure scène de bureau, c'est-à-dire meilleure scène qui ne met pas en vedette un cage. Euh... Hmm. Ah ben, j ai, j ai, moi je l'ai. Ok, vas-y. C'est dites... le show. Le show, ben oui. Ben oui, avec la tune plutôt. Ben oui. Puis de penser à tout le production design. <laughs> Ben oui, fictif, euh, là. Ouais, ouais. Des gens qui, comme à chaque fois qu'ils chantent, sont, okay, euh, trouve les notes, OK, toi, tu vas danser autour, ok, c'est bon. <laughs> tu sais, euh, moi, mon, ma scène de bureau qui m'est venue en tête, c'est juste la scène d'après, dans le backstage, mm -hmm. où il y a comme des échanges assez comiques, puis il y a comme un bodyguard américain qui est là, pis en tout cas. Ouais. Mais euh, j'avais comme mis de côté le spectacle, puis effectivement, le spectacle, la première fois surtout. Euh, et de voir ta face qui avait quand ils se sont mis à chanter, oui. tu avais la bouche grande ouverte. Oui, c'est comme... vrai. J'étais bouche bée. Oui, oui, oui. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis, c'est qu'en en fait, ce qui se passait dans ma tête, c'était genre, est-ce qu'on va avoir un montage, puis c'est un peu ça qui arrive, mm -hmm. un montage de genre Motra qui se réveille en même temps. Est-ce que ça va devenir un musical, tu sais? Puis... Ça a failli l'être, parce qu'ils font comme deux tonnes là, au complet, Puis mm -hmm. les tonnes sont bonnes en plus. J'avais comme quasiment des vibes, tu sais, Ennio Morricone quand il fait des films plus camp un peu là, ouais. quand il sort du western, super dramatique. Là, mm -hmm. Des fois, il y avait une vibe de même, tu un peu sixties. Euh, Dangereux diabolique. Ouais, 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 exactement. Ouais, c'est ça. Un mm -hmm. peu funky, je l'entends. Euh, je trouvais ça cool. Fait que. Les deux on ouais, je suis là, ouais, Deux ouais, en ouais, deux. Ouais. Okay. Ouais. Euh, puis maintenant, meilleur fight, c'est-à-dire meilleure scène de Kaiju. Ah hmm. euh, ouais. Ben moi, je, je pense que je vais y aller. Même si c'est pas dans sa forme finale, puis que sa forme finale est magnifique, Agamotra, la scène où c'est la version euh, larve chenille qui détruit la ville est vraiment le fun parce que, premièrement, elle est super bien faite. Mm -hmm. Mais aussi, c'est mélangé avec les poupées oui. cheap de, de militaires <laughs> dans leur teinte. Oui. Fait que tout ça, ensemble, le côté pas bon et le côté bon de ce scène-là fait que euh, ce, ça me marqué le plus. Mais Tabarnak, Simon, j'en ramène. Ben, Colin. Ouais. Trois en trois. C'est comme si on était des amis qui se comprenait. C'est ça. On, on est, ça fait longtemps qu'on s'est pour parler de ça. Là, de si on s'était rencontrés au secondaire. Hey boy. comment on a été les meilleurs chums du monde. Ouais, ouais. On écoutait la même musique, puis on lisait les mêmes comic books, mm -hmm. puis on avait un peu le même style. Genre, ouais. on était comme des punks un peu weird, puis on était geeks en même temps. Ouais. On aurait hangé out à tous les jours, puis on s'aurait fait découvrir des bands, ouais, je... puis des De... comics. Oui. T'aurais été mon ami extraverti. Oui. J'aurais été, euh... été ton wild friend. Oui, oui. The wild card. Oui. Euh, mais ouais. Non, c'est clair. Mm. Ouais. Ah. Puis là, on s'est trouvés. Ben oui. Toutes on... ces années puis plus tard. On écoute. De la musique <laughs> on est dans le temps. Oui. On parle des X-Men de 90. Oui. <laughs> on, on rattrape le temps perdu. Exactement. Vois, on est en train de vivre ce qu'on aurait vécu ouais. à 16-17 ans. Euh, Puis euh, Mais je t'aime, mon ami. Ah ben moi aussi, je t'aime. C'est vraiment le fun de faire ça avec toi. Ben ouais. Puis euh, c'est ce qui met fin à l'épisode. Ben je pense que oui. Ben oui. On vous rappelle que joue fait partie de la grande famille des mystérieux <laughs> étonnants. Oui, effectivement. <laughs> euh, que vous pouvez supporter euh, par Patreon. Si vous allez sur le site des mystérieux, il y a un petit euh, piton faire un don. Ça coûte même pas un crise de café cheap par mois. En fait, ça coûte un café cheap par mois. Mais pas un ah, café... Ouais, c'est trop en pièces Puis ça vous donne accès ben, justement au, euh, au Discord. Ça vous donne ouais. accès à des podcasts exclusifs, ouais. dont euh, Bifurcation. Euh, et euh, euh, oui. Et. Terre Human chez Chisida. Puis c'est ça. Ça, ça, ça l'encourage euh, tous les, les projets des mystérieux. Ah, fait ouais. que C'est bien chill. Et. Euh, ben, j'ai pensé à ça tantôt. Euh, parce que moi aussi j'ai un Patreon vrai. et la raison pourquoi je veux le pluguer c'est pas juste parce que je fais un podcast avec toi c'est que les gens me demandent souvent si c'est quand je vais faire une BD de Kaiju mm -hmm. et j'en ai déjà fait une qui s'appelle Oken ouais. avec mon ami Dominique Carrier ouais, et cette BD-là est disponible sur le Patreon. Fait encore une fois, c'est trois pièces par mois. Vous pouvez donner juste une fois, puis vous avez accès à toutes mes BD en forme digitale. Mmh. Toutes mes BD indépendantes. Mmh. Fait que ça compte pas à liste et chansons Noire, et, et, et plus, tout plus ça. Et euh... Exact. Ouais. -tout toutes les BD oui. auto auto-publiées ouais. ou produites euh, par moi. Euh, évidemment, il y a pas de turbo kid là-dessus et tout. Mais c'est ça. Fait que vous allez pouvoir lire... Au Ken de Dominique Carrier et moi. Puis si vous aimez ça, ben Dominique Carrier puis moi, on fait une autre BD qui sort en novembre, que j'ai parlé aussi la semaine passée, qui s'appelle Skate Park. Yes. Fait que le lancement, il est maintenant bouclé. C'est au Turbo House le 13 novembre. Il est euh, bouclé Il est bouclé. Bouclé, ouais. oui. oui. Parce que bouclé, c'est à la à fin. fin. C'est ça, fait, je voulais juste être sûr. Fait que le 13 novembre, au Turbo House à Montréal. Euh, niveau boucle, oui, amenez vos boucles ouais. et on va vous boucler ça. Là. et euh... boucles? Non, non. Et euh, c'est ça, vais ben hot, euh, skate park, euh, de vous signer ça. Puis on va être avec Charlotte, qui est notre coloriste, euh, qui va aussi dédicacer l'album avec nous autres. Oui. Fait que ça va être ben, ben hot. Puis il va y avoir un band qui va jouer. Tabarnasse. Oui, il va y avoir un band punk rock. Il va avoir « Rope Skills ». T'as-tu déjà entendu « Rope Skills » Non. C'est bon, man. C'est fucking bon. Okay. C'est du genre de... Pense à une version... C'est très 90s comme punk. Là. Fait que C'est très skate-punk. Euh, pense à une version plus trash de Green Day, mais c'est band de filles. OK. Fait que, Il y a un petit côté quasiment remonte mais un petit côté très mélodique aussi. Puis ça y va, là. Ça, 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 ça bûche. Puis ça va être euh, euh, précédé de euh, Kate Dress, qui est son projet solo en fait. Fait qu'elle va jouer des tunes acoustiques avant. Fait que t'sais, ça fit, ça va être hot, là. ça va être un event. Là. Tu vas -tu être là, Simon, le 13 novembre. Oui, oui, ben oui. Tu penses que tu vas tripper, man. Je pense qu'on qu on va danser ensemble, là. on va voir que c'est hot qu'on vive ça. Euh, Puis en plus, ça risque d'être après le... Ouais. « Réserve-moi une danse. <laughs> »« Ah oui, je vais te réserver une danse. » Fait que c'est ça. Sinon, ben vous pouvez aller aussi sur jackdion.com, cliquer sur shop, puis vous allez trouver le t-shirt de ta kaiju là, ben ouais. euh, et ainsi de, que, que plein d'autres affaires que, que, que j'ai sur mon shop, dont des print, des towels, des t-shirts, euh, whatever. Fait que je pense que ça fait le tour. Ben moi je dirais, allez vous acheter des, ben vous euh, trouver, louer, whatever, des films de Kaiju. Mm -hmm. puis, euh, assez. <laughs> Comment dire, lancez-vous là-dedans sans trop réfléchir en se disant, comment oh, faut que je commence là C'est pas important. Commence, mm -hmm. random, le titre qui te tente, l'époque qui te tente, et euh, ouais. c'est euh, tellement bon. Puis c'est ça, je pense, les vieux films de Kaiju, tu sais, de, des années 60 70, je pense à ces fucking bang des kids. Ah, ben oui. Tu euh, au pire, ils jouent pendant que les scènes de bureau, là, mais à chaque fois que les bébites apparaissent, je pense que les kids ils vont être comme moi tantôt. Là, genre ouais. la gueule ouverte, puis fuck. Hein. « Ah, cest que c'est hot? » euh, Fait que ouais, c'est ça. Euh, Tripez sur les films de Kaiju puis... Euh, Parlez-moi ça. Ouais. Puis euh, juste euh, spoiler pour Dracula 2000. Oui. Euh, euh, Dracula, c'est Judas, finalement. Ben oui. Ah, ouais, ben, on a apprécié. Oui. Qui a trahi Jésus. Oui. C'est avec... pour ça les pièces d'argent, c'est pour ça que l'argent, ça y mal. La croix. La croix. Ça, ça, ça. Ça. c'est C'était un ouais. peu décevant comme punch. Ouais. Mais -tu il y avait du qu nous mettre Écoute, ils ont essayé. il ressemblait à Trent Reznor. C'est vrai, c'est vrai. Gerald Butler en Trent Reznor. Ah. Ouais. Bon, vas-tu écouter, donc là, ah, 2002? <laughs> Faut écouter Drake deux mille. Y a pas de Kaiju mais c'est pas grave, ah, il Y a du new metal. Bon ben, à la prochaine tout le monde. Bye. On se reverra sur le pail.